cela dans le cadre de la sensibilisation du VIH-SIDA et aussi par rapport aux IST. Nous sensibilisons les jeunes, nous leur parlons un peu de comment on contracte le VIH-SIDA et puis les mesures de prévention. La Côte d'Ivoire est le pays le plus touché par le VIH-SIDA en Afrique de l'Ouest. C'est un sujet qui détruit beaucoup la vie de nombreuses personnes ici en Côte d'Ivoire. Donc j'invite tous les jeunes de Côte d'Ivoire à venir se faire dépister dans tous les centres, dans tous les lieux où se passe ce genre d'événement. Quand tu veux faire ton dépistage pour connaître ton statut, c'est encore préférable. Donc j'exhorte les jeunes gens de venir massivement pour venir connaître leur statut, c'est important. Qu'ils oublient la peur, qu'ils laissent la peur parce que connaître son statut, c'est pour qu'il soit négatif ou positif, au moins tu as une idée de la chose. Si bon, par contre, il est positif, encore tu dis Dieu merci, parce que là encore, on va te montrer des méthodes à suivre pour éviter le pire. Si il est négatif encore, Dieu merci, tu continues dans cette position de ne pas rattraper le positif plus tard. C'est ce que je vois. Et cette campagne-là se déroule sur toutes les étendues du territoire national. Et elle a commencé depuis le 12 novembre et elle prendra fin le 31 décembre 2021. Là, on lave les mains, tu as vu là où ils ont marqué, on ouvre là, c'est pas là on déchire. Quand on a déchiré, les mains sont propres là. Tu vois, on prend le bord là ici. Tu mets, tu te couches et puis tu fais partie à l'intérieur du bassin. Pour les jeunes qui hésitent à venir faire leur test de dépistage, il faut qu'ils sachent que le VIH est réel. Et pour mieux vivre, il faut venir se dépister, connaître son statut, pour savoir où on va.